Ouais l'équipe, bienvenue dans la Barber Zone, c'est Thias et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo de présentation de cire. C'est une très belle découverte que je vous propose aujourd'hui, c'est une cire d'une marque que je vous ai déjà présentée sur la chaîne avec la Airgum classique. Voilà, aujourd'hui toujours sur du classique mais un peu moins classique dans le sens où en fait c'est la pommade classique, la Classic Wax de Airgum. Donc cette cire a une particularité, c'est que c'est la nouvelle gamme de Airgum qui se veut être 100% d'ingrédients d'origine naturelle. Voilà, donc toujours made in France par les laboratoires Ariland. Franchement, issu de l'agriculture biologique, une boîte toujours bien classe à la Airgum, en mode un petit peu à l'ancienne. On aime vraiment beaucoup cette cire, c'est un vrai coup de cœur, je vous le dis tout de suite. Parce que pour moi, ils ont résolu certains de leurs problèmes qu'ils avaient par exemple sur la Airgum classique, qui était voilà, avec des produits déjà un peu plus costauds, mais qui avait un effet, voilà, Airgum classique, vous connaissez maintenant je pense, pour ceux qui connaissent la chaîne depuis le début, j'en parle assez régulièrement. Là franchement, on avait quelque chose de très très puissant, ben là on arrive quasiment à imiter ça, mais avec des produits un peu plus naturels. Superbe outil. Pourquoi ? Avec ça, vous pouvez coiffer également votre barbe. Et je vais vous expliquer pourquoi. Dedans, qu'est-ce qu'on a comme ingrédient ? L'huile de ricin. De la cire de carnauba. C'est une odeur plutôt neutre, donc franchement, qui pourra passer avec pas mal de choses. Et surtout même quand vous voulez mettre des produits dans votre barbe, une bonne huile comme ça, avec une bonne odeur, ben là, on aura quelque chose qui pourra très bien s'associer puisqu'on n'a pas une odeur qui est très très forte. Un peu de parfum, deux, trois trucs un peu, voilà, et de l'huile de graines de tournesol. Donc on est vraiment loin de ce qu'ils ont l'habitude de faire, mais franchement, c'est une très très belle découverte et on va faire le test tout de suite. Alors première chose, la boîte. La boîte, donc une boîte en aluminium classique, 80 grammes de produits à l'intérieur. C'est une belle boîte. Je préfère quand même les classiques. Je trouve que celles-ci, elles sont un peu moins bien travaillées. Mais bon, très très belle boîte. Et pour ça, on va mettre la note de 7 sur 10. Ensuite, l'odeur. On a des petites notes de coco. En tout cas, moi, c'est ce qui ressort. Des petites notes de coco. Quelque chose de vraiment vraiment pas désagréable. On sent aussi un petit peu l'huile de ricin en arrière, petite touche d'huile de ricin, donc qui est pas dérangeante, même si c'est pas mon odeur préférée, mais la petite odeur un petit peu de coco comme ça, elle passe vraiment 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 bien. Elle est plutôt discrète, elle se mélange bien avec le reste, et donc pour ça je vais mettre la note de 7 sur 10. Ensuite on a l'effet sur ce type de pommade, même si c'est pas écrit dessus. Je sais qu'on va chercher quelque chose de brillant, donc de la brillance. Et bah, franchement, on a de la brillance. C'est plutôt, plutôt bien réussi. On n'est pas sur une Airgum classique, mais vraiment presque, presque, presque. On s'en rapproche très fortement. Et du coup, j'hésitais entre le 9 et le 10. J'y vais quand même mettre un 9, surtout que je vous ai présenté des cires récemment, comme du coup la Zioli Barber, la Stronghold, où là on avait vraiment une brillance qui tabasse. Donc là on n'est pas vraiment sur une brillance ultra ultra forte, mais il n'y aurait manqué un chouïa comme ça. Mais en tout cas avec des produits naturels et tout, c'est respecté, un 9 sur 10, ça sera très très bien. Ensuite la tenue. La tenue, on a quelque chose qui tient très très bien. Au toucher, c'est plutôt naturel. Voilà, donc pour ça, je ne vais pas pouvoir mettre la note de 10 sur 10 parce que si on compare forcément à certaines cires que j'ai déjà présentées, on est quand même un petit peu en dessous. Vous voyez, pour faire une mise en forme vraiment très très costaud, ça va être un peu compliqué. Mais est-ce que c'est ce qu'on recherche? Je ne suis pas vraiment vraiment sûr. Mais bon, quand on parle de pommade chez Airgum, encore une fois, moi j'aurais tendance à chercher quelque chose de très costaud. Donc là je vais mettre la note de 7 sur 10, ce qui reste quand même une très bonne note. Ensuite la texture et l'application, elle s'applique très très bien. Vous venez la mettre sur votre main, comme ça vous chauffez un petit peu, c'est du gras, on sent que c'est voilà, à base d'huile, etc. Mais que ça reste vraiment naturel, c'est pas des huiles minérales ou quoi. Là on sent vraiment c'est du végétal et du coup c'est très agréable, même pour se laver les mains ça reste quand même assez correct.
Et du coup, voilà, on a une texture qui est vraiment agréable. Même au toucher, là, comme ça, dans les cheveux, là, je touche mes mains, j'ai pas les mains grasses, etc. Donc ça, c'est un très très bon point. C'est quelque chose qu'ils ont résolu avec cette Air Gum, du coup, en pommade classique, plutôt que la Air Gum classique qui, elle, est vraiment... Vous pouvez pas vous toucher les mains, c'est pas possible. Mais par contre, vous pouvez faire la mala pendant une semaine, il y aura pas de problème, ça va pas bouger. Donc du coup, pour ça, je vais mettre la note de 8 sur 10. Et maintenant, on va finir avec le nettoyage. Donc le nettoyage sur Air Gum, vous savez, c'est le gros problème. Mais là, on a une du coup pommade d'origine naturelle, des huiles naturelles. Donc forcément, on a quelque chose qui s'en va très bien. Alors après, comme on n'a pas d'eau dedans, forcément, ça va laisser un petit peu des résidus sur les mains. Il va falloir un, deux shampoings. En tout cas, pour les mains, un ou deux passages, ça suffira. Contrairement aux 3-4 eaux bien savonneuses qu'il vous faudra pour éliminer l'application d'une Air Gum classique ou autre d'ailleurs, mais à base d'huile vraiment minérale un peu costaud. Là, voilà. Je sais qu'un shampoing, franchement, bah, ça va suffire. Ça va suffire. Alors après, vous aurez toujours peut-être un petit peu les cheveux gras. Moi, perso, je sais que j'ai toujours un petit peu les cheveux gras, mais ils sont quand même propres. C'est pas dérangeant. Justement, je me dis peut-être que ça nourrira un petit peu avec l'huile de ricin et tout. Donc moi, personnellement, un shampoing, ça me va très bien. Pas besoin d'en faire un deuxième, voire un troisième par moment avec la Air Gum classique. Là, voilà, un shampoing, deux shampoings pour ceux qui veulent vraiment s'embêter, mais ça part très bien. Et pour ça, on va mettre la note de 7 sur 10 pour vraiment récompenser l'effort, parce qu'on a quelque chose qui est très abouti, je trouve, et surtout pour une pommade à base d'huile. Chapeau, franchement, vous avez fait du très bon boulot. Je leur ai d'ailleurs envoyé un petit message à Air Gum sur leur post Instagram quand ils ont posté ces nouvelles cires que je me devais vraiment tester, parce qu'ils ont encore, il me semble, deux autres cires dans cette gamme-là avec les produits bio naturels. Franchement, bravo, 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 c'est du très, très, très réussi. Alors du coup, l'ensemble des notes du test de la Classic Wax, de la gamme de produits de pommade classique de Air Gum, nous donneront une note de 7,5 sur 10, ce qui est une très bonne note. Franchement, encore une fois, bravo pour ce produit, que ce soit du packaging, à la texture, à l'odeur, à la tenue, etc. Vraiment, on a quelque chose de très bien. Je ne vous ai pas montré l'intérieur, mais voilà, c'est plutôt huileux, plutôt pâteux, plutôt crémeux. On a quelque chose de vraiment très, très bien équilibré. Je pense qu'aujourd'hui, c'est quand même une cire qui est tout terrain. J'en ai pas souvent vu des comme ça. Mais voilà, une cire qu'on peut mettre dans la barbe. On peut très bien venir jouer avec ses moustaches, etc., etc. On en a pas beaucoup. En tout cas, moi, j'en connais pas d'autres. Donc ça, franchement, bravo. C'est vraiment une très belle réussite. Encore une fois, en plus de ça, c'est Made in France. C'est avec des ingrédients issus de l'agriculture bio, des ingrédients naturels ou d'origine naturelle. Je pense vraiment, en tout cas, que beaucoup de marques devraient s'inspirer de ce type de démarche. Parce que là, on est dans une époque où on veut savoir ce qu'on consomme, on veut savoir ce qu'on met sur nos cheveux, sur notre barbe, etc., etc. Et là, clairement, on a un produit qui prouve que c'est possible de ne pas se mettre que de la merde sur la tête. Voilà l'équipe, en tout cas j'espère que cette vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à échanger avec moi dans les commentaires comme d'habitude. Vraiment je kiffe quand vous me parlez des cires, que vous me donnez vos réactions, etc. C'est toujours un plaisir d'échanger avec vous. Vous pouvez toujours me retrouver sur Instagram pour parler et puis pour pouvoir toujours voir un petit peu mon travail, mon évolution et puis vous tenir un petit peu au courant de mon actualité. Et puis ben encore une fois, on s'abonne à la chaîne si c'est pas encore fait. On like cette vidéo, on la partage en masse. Et puis moi, je vous dis à plus la team.